السلام عليكم. Alors Ibn Hisham dit أنواع الإعراب، ثم قلت وأنواعه رفع ونصب في اسم وفعل، كزيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم كبزيد، وجزم في فعل كلم يقم. والأصل كون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون. Alors, Ibn Hisham, après avoir défini ce qu'était l'Irab, l'oratan mustalahan, donc d'un point de vue linguistique et d'un point de vue terminologique, il a dit d'un point de vue linguistique que c'était l'ibana, donc le fait de faire apparaître, le fait de s'exprimer. Et il a dit que l'Irab, il portait sur la fin du mot. Donc l'Irab, il porte sur la fin du nom, la fin du ism. Donc on a dit que le kalima, elle se décomposait en trois, ismun wa fi'lun wa harf. Donc l'Irab, il concerne uniquement le nom et une seule des catégories du verbe. Le verbe, on a dit qu'il y a trois catégories. Al-mardi, le passé, al-amr, l'impératif, et al-mudari', qui est le présent futur. Et l'Irab concerne que justement le mudari'. Donc on va le trouver que à la fin du mudari' et à la fin, l'Irab ne va concerner que la fin des mots, et en particulier la fin du ism et la fin du fi'l mudari'. Alors ensuite il dit anwa' al-Irab. Donc il va donner les différents types d'Irab. Après avoir donné la définition, il donne les types d'Irab. Comme on avait donné la définition de le kalima, et on avait dit que ça se décomposait en trois. Ensuite, on avait donné la définition de le kalam, et on avait dit que ça, pareil, ça se décomposait en trois, puis en deux, entre khabar wa insha. De la même manière, il a défini, et là, il va donner les types d'Irab. Alors, dans le texte original, donc dans ce qu'on appelle dans son matin, dans son murtasar, dans son résumé, avant l'explication, il donne le texte. Alors, en brut, ce qu'il dit, c'est summa qultu wa anwa'uhu raf'un wa nasbun fi ismin wa fi'lin. Donc, ces catégories sont raf', nasb, fi fi'lin, fi ismin wa fi'lin, dans le nom et dans le verbe. Ka zaydun yaqoumu, zaydun se lève. Wa inna zaydan lan yaqouma, zaydun ne va pas se lever. Wa jarrun fi ismin, ka bi zaydin, avec zaydin, donc le jar, on va voir ce que c'est. Wa jazmun fi fi'lin, al jazm, dans le fi'l. Kalan lam yaqoum, il ne se lèvera pas. Pardon, il ne s'est pas levé. Wal aslu kaunu raf'i bil damma, wal nasbi bil fatha, wal jarri bil kasra, wal jazmi bil sukun. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors il donne l'explication. Wa aqul anwa'u al-i'rab arba'a. Il dit il y a quatre catégories d'i'rab. Raf'a, nasb, jar, jazm. Alors raf'a, c'est la catégorie de la déclinaison qui concerne le fa'il. Donc quand on fait l'action. Donc le ism il va être, on va dire, marfou'. Quand le ism il va être quand la fonction du nom, ça va être de faire l'action. Nasb, ça va être l'état de l'i'rab quand on subit l'action. Et ça va concerner pareil un nom, par exemple, dont la fonction est l'objet ou qui subit une action, on va utiliser cet état d'i'rab. On va appeler ça nasb. Waljar, c'est un état de type préposition, en fait, qui va accompagner une action. Jar. Wajaz, ça va être utilisé uniquement dans le fi'l, et c'est pareil, un état particulier d'arabe qu'on verra. Alors il dit wa an ba'dihim an al-jazm laysa bi'arab. Il dit, alors certains ils disent que al-jazm c'est pas un état d'arabe. Il dit wa laysa bi shay. Alors il rejette tout de suite cette affirmation.
وهذه الأربعة تنقسم إلى ثلاث أقسام. Alors il les a répartis. Les quatre, il les a répartis. Et plutôt que rentrer dans des définitions théoriques, etc., de ces quatre états d'arabe, on va suivre Ibn Hisham dans son raisonnement, parce qu'il va les décomposer. Et comme on aura l'occasion de travailler avec, on va les voir à différentes occurrences, etc., dans différents contextes. Et après, grâce à ça, l'auditeur, il va se faire une opinion, il va se faire une idée de quoi il s'agit derrière ces mots raf, wanas, wajar, wajazm. Alors il dit, première catégorie, ma huwa mushtarakun bayna al-ismi wal-fi'l, wa huwa al-raf wal-nasb. Il dit, entre les quatre, première catégorie, ceux qui concernent à la fois le nom et ceux qui concernent à la fois le verbe. Alors ça, c'est une façon de catégoriser les choses. Tous les grammairiens ne procèdent pas de cette manière, mais c'est une façon, à la limite, assez intéressante. Il dit, ma huwa mushtarakun bayna al-ismi wal-fi'l. Donc quels sont les états d'arabe qui sont à la fois, qui concerne à la fois le nom et à la fois le verbe. Il dit au raf wa nasb. Donc c'est les deux premiers. Raf, on a dit ce qui est utilisé pour faire l'action. Et nasb, ce qui est utilisé pour décrire l'objet de l'action ou ce qui subit l'action. Wa mithal dukhul ar-raf fihima. Alors il donne un exemple d'utilisation de raf. Zaydun yaqoum. Fa zaydun marfou'un bil ibtida. Alors, dans la phrase Zaydun yaqoumu, Zaydun se lève. Zayd, c'est un nom propre. Zaydun se lève. Il dit marfou'un bil ibtida. Il dit marfou', c'est ça qui est important. Alors, quel est l'état, ou qu'est-ce qu'on peut dire, la fonction, quel est l'état de déclinaison de Zayd? Ici, on va dire que Zayd, il est marfou'. Et Ibn Hisham, il dit la raison pour laquelle il est marfou. Il dit bil ibtida. On va voir progressivement qu'il y a plusieurs raisons qui font qu'un nom ou un verbe il est marfou. Et là, il dit c'est bil ibtida. L'ibtida, ça veut dire qu'il est mubtada. Mubtada, ça veut dire qu'on est dans une phrase nominale. Dans une phrase nominale, on a toujours deux éléments, un mubtada et un khabar. Zaydun yaqoum. Zaydun, c'est le mubtada. Donc il dit Zaydun marfou'un bil ibtida. Ce qui est important, c'est marfou, Zayd marfou. Et on voit bien que Zayd, alors Zayd marfou, bel ibtida, d'un point de vue formel, et d'un point de vue, du point de vue du sens, alors oui, il est marfou parce que Zayd, c'est lui qui fait l'action. C'est qui se lève? C'est Zayd. Donc il fait l'action, donc il est marfou. Alors après, il dit quelque chose d'intéressant, il dit wa alamatu raf'i ad-damma. Donc l'état, c'est al-raf'. Par contre, ce qui est vraiment important, c'est ça, wa alamatu raf'i. Ad-damma, ça veut dire à quoi est-ce qu'on reconnaît qu'il est dans l'état marfou? Il dit c'est la dhamma. C'est comme si je dis par exemple quelqu'un est malade. Donc son état de déclinaison c'est malade. Et à quoi est-ce que je le reconnais? Je vais dire par exemple il est blanc. Donc ça marque, qu'est-ce qui me fait dire qu'il est dans l'état malade? C'est qu'il est blanc. Là c'est pareil, Zayd il est dans l'état marfou. Ici, et la marque de reconnaissance qui fait que je reconnais qu'il est marfou, c'est cette dhamma. Wa alamatu raf'ihi ad-dhamma. Il est marfou et on reconnaît avec cette dhamma. C'est un tanwin, mais ça, à la limite, c'est pas important, c'est pas lié à l'arabe, c'est lié au fait qu'il n'y a pas de alif lam, donc on met un tanwin. Mais c'est une dhamma, il faut considérer que c'est une dhamma. Il y a deux dhamma, mais ce qui est important dans l'arabe, c'est qu'il y a au moins une dhamma. On va dire ça comme ça. Une dhamma, Zaydun. Dhamma, il est marfou. ويقوم مرفوع لأنه فعل مضارع خال عن ناصب وجازم. Et donc là, il a pris une phrase nominale qui n'est pas la plus élémentaire, parce qu'il a mis un, dans le khabar, donc dans la deuxième partie de la phrase nominale, il a mis un fi'l, il a mis un verbe. Mais ça le sert bien dans son exposé, parce qu'il veut donner, il veut montrer ce qui est les états des arabes qui sont communs au ism et au fi'l. ويقوم مرفوع لأنه فعل مضارع خال عن ناصب وجازم. Il dit يقوم, le fi'l, pareil, lui il est marfou, pareil, il est dans le même état que Zayd. يقوم, il est dans l'état de رفع. Il est marfou. رفع en arabe, c'est-à-dire élevé. Alors, il est dans l'état marfou.
Et il dit, pourquoi est-ce qu'il est marfou? Comme ici, on avait dit marfou bil ibtida. Lui, il est marfou parce qu'il est mubtada dans la jumla ismiya. Et lui, il dit, il est marfou li annahu marfou li annahu fi'lun mudari' khalin an nasib wa jazim. Donc ça, c'est une règle, c'est pareil. Le mubtada, il est toujours marfou. Et bien là, c'est pareil. Le fi'l mudari', le verbe conforme, quand il n'a pas un élément qui le rend nasib ou jazim, par défaut, il est marfou. Donc lui, il est marfou. Donc on a vu que Zayd, il est marfou. Et pourquoi il est marfou? Parce qu'il est mubtada. Yaqoum, c'est un fi'l mudari', il est marfou aussi. Pourquoi il est marfou? Parce que c'est un fi'l mudari' qui n'a pas de nasib, pas de jazim. Il n'est pas précédé par quelque chose qui va le rendre mansoub ou majzoum. Et il dit wa alama rafa'ihi aydan ad-damma. Et pareil, à quoi est-ce qu'on reconnaît, comme le malade, on reconnaît que le malade est dans l'état, que celui qui est dans l'état malade, on reconnaît qu'il est malade parce qu'il est blanc. Là, c'est pareil, il est marfou, et on reconnaît qu'il est marfou à cause de la dhamma ici. Wa misal dukhul an-nasb fihima. Alors, il va donner un exemple de nasb parce qu'il avait dit que l'ism wal-fi'l, ils étaient dans cette catégorie des noms. Ils étaient dans cette catégorie de mots qui partagent deux états d'i'rab, raf et nasb. Alors il donne un exemple avec le nasb. On avait un état de un exemple avec le raf, il donne un exemple avec le nasb. Il dit inna zaydan lan yaquma. Inna zaydan lan yaquma. Alors ça c'est la confirmation, Zayd c'est sûr, il ne va pas se lever. Fa zaydan ismun mansoub. Bi inna. Alors il dit Zayd, inna Zaydan. Alors Zaydan, ici, il est, son état d'Irabe, c'est mansoub. C'est un nasb, la deuxième catégorie d'Irabe. Un nasb, c'est le fait de, en arabe, d'un point de vue linguistique, c'est le fait de dresser quelque chose qui est debout. Zaydan. Alors il dit, il est mansoub. On a vu Zaydoun ici, il était marfou. Ici, Zaydan, il est mansoub. Pourquoi est-ce qu'il est mansoub? Il dit à cause de Inna. Il y a Inna qui a précédé un nom. À chaque fois que Inna précède un nom, alors ce nom, il est mansoub. Parce que Inna a cette action sur les noms de les rendre mansoub. Là, Zayd, il est tout seul, il est mubtada, donc il est marfoua. Ici, on a Zaydan, il est mansoub parce qu'il est précédé de Inna. Wa alamatu nasbihi al-fatha. Comment est-ce qu'on reconnaît pareil qu'il est dans l'état mansoub, comme dans l'état malade quand il est blanc? On le reconnaît à cause de la fatha. Donc Zayd, il est mansoub. Et comment je le reconnais? Parce qu'il y a une fatha à la fin. Et pour quelle raison il est mansoub? À cause de inna. Wa alamatu nasbihi al-fatha. Wa yaqumu. Ici. Lan yaquma. Wa yaquma fi'lun mudari'. Mansoubun bilan. Wa alamatu nasbihi aydan al-fatha. Il dit ah, j'ai encore perdu la page. Pour ça, à chaque fois. Ici, c'est un peu trop loin. Anwa al-Arab. Alors il dit Inna Zaydan lan yaquma. Il dit wa yaqumu fi'lun mudari'. Yaqoum, fi'l mudari'. Alors ici, l'éditeur aurait dû mettre la fatha ici, c'est vraiment important pour qu'on puisse comprendre. Là, c'est comme s'il y avait une fatha. Donc, l'an yaqouma, il dit parce qu'il est man. Alors, c'est ismoun mansoub. Pourquoi il est mansoub? Parce qu'il est précédé de l'an. Donc, si on demande quel est l'état d'arabe, on dit mansoub. Pour quelle raison il est mansoub? Parce qu'il est précédé de l'an. Et l'an a la même action que inna. Il rend mansoub le verbe qui est après. Lan. Yaqoum. Donc Yaqoum, ici on avait Yaqoumu, il était dans l'état marfoua. Ici Yaqoum, il est dans l'état mansoub. Pour quelle raison est-ce qu'il est mansoub? Parce qu'il est précédé de Lan. Et de la même manière, on va se poser la question, quelle est la marque de reconnaissance de Nasb? Comment est-ce que je reconnais qu'il est malade, blanc? Là, comment est-ce que je reconnais qu'il est mansoub? La fatha que l'éditeur a omis. Ici, cette fatha, c'est ça qui m'indique que c'est mansoub. Donc, on retient que on a trois choses.
On a l'état d'i'rab. On a pour laquelle raison? On a trois choses. L'état de l'i'rab. Pour quelle raison il a cet état? Et quelle est la marque de reconnaissance de cet i'rab? Comment est-ce qu'on le reconnaît qu'il est dans cet état d'i'rab? Alors, si on reprend l'exemple, Zaydun, il est marfou' parce qu'il est mubtada. Et comment est-ce que je reconnais qu'il est marfou'? À cause de la dhamma. Yaqoum, c'est un fi'l, il est marfou'. Pourquoi est-ce qu'il est marfou'? Parce qu'il n'est pas précédé d'un nasib ou d'un jazim. Et comment est-ce que je reconnais qu'il est marfou'? À cause de la dhamma. Zaydan, il est mansoub. Pourquoi est-ce qu'il est mansoub? Parce qu'il est précédé de inna. Et comment est-ce que je reconnais qu'il est mansoub? À cause de la fatha. Yaqoumu, mansoub aussi. Pourquoi est-ce qu'il est mansoub? Parce qu'il est précédé de l'an. Et comment est-ce que je reconnais qu'il est mansoub? À cause de la fatha qui est ici. Donc on retient que nasb, c'est un état d'i'rab. Et fatha, c'est une voyelle. La fatha, elle m'indique, elle me sert à indiquer quel est l'état de d'i'rab. L'état de déclinaison. Alors, deuxième catégorie, donc on a vu la première catégorie, c'est les noms qui sont, les mots qui supportent l'état de raf et de nasb. Ensuite, il dit, ma huwa khasun bil ism. Alors, les états des arabes qui sont spécifiques au ism, au nom, c'est le jar. Wa huwa al jar. Nahu bi zaydin, fa zayd majrur bil ba, wa alamatu jarrihi kasra. Il dit zayd, bi zayd. Alors, zayd, quel est son état ici? C'est majrour. Le troisième état des arabes qu'on a vu, le troisième état de déclinaison. Majrour. Majrour, en gros, d'un point de vue linguistique, ça voudrait dire tiré. Il est tiré. Bon, on retient majrour. C'est important de retenir majrour. Zayd, il est majrour. Pourquoi est-ce qu'il est majrour? Il dit bilba, à cause de ce ba. Donc Zayd ici, on a vu Zaydoun, Zaydan, là on a Zaydin. Il est majrour à cause du ba. C'est le ba qui le rend dans l'état majrour, qui le rend dans l'état, comme si on dirait, dans l'état tiré. Donc il perd son action ici dans une phrase avec cet usage. Il ferait pas l'action, il subirait pas l'action, mais il serait tiré, il participerait à l'action. Bizaydin. Alors donc, pareil, on répond aux trois questions. Quel est son état d'i'rab? Majrour. Pour quelle raison il est majrour? Parce qu'il est précédé du ba. Et après, la troisième question, c'est comment est-ce qu'on reconnaît qu'il est majrour? Ibn Hisham, il dit « Wa alamatu jarrihi al-kasra ». Sa marque de reconnaissance de l'Aljar, c'est la kasra. Troisième catégorie, ce qui est spécifique au verbe. Quels sont les états de déclinaison, les états de d'i'rab, l'i'rab qui est spécifique au verbe? Il dit « Wahu al-jazm ». Al-jazm, c'est comme si on... D'un point de vue louratan, c'est le fait de décider, le fait de trancher. Il dit « Nahu ». Exemple, lam yaqum. Fa yaqum, fi'lun mudari'un majzum. Bilam, wa alamatu jazmi hadful haraka. Alors, toujours sur le même modèle. On a yaqum, c'est un verbe. Fi'l. Il nous dit c'est un fi'l mudari', bien sûr, parce que les arabes, ça concerne que le fi'l mudari', mais il dit qu'il est majzum. C'est le quatrième état de l'arabe qu'on a vu. Al-jazm. On dit que ce fi'l, il est majzum. Alors pourquoi est-ce qu'il est majzoum? Parce qu'il est précédé de l'âme. Donc ça c'est la deuxième question. Première question, quel est son état d'i'rab? Majzoum. Deuxième question, pour quelle raison il est majzoum? Parce qu'il est précédé de l'âme. Et ensuite, troisième question, quelle est la marque de reconnaissance de son jazm? Comment est-ce que je reconnais qu'il est majzoum? Il dit « Wa alamatu jazmi hasful haraka ». Alors le fait que la voyelle a disparu. Hatful haraka. Alors, ça, on rentrera peut-être plus dans le détail, mais si vous avez remarqué ici, Yaqoum, dans les pages précédentes, Yaqoum, il y avait un waouh. Et en gros, ce waouh, il a disparu. Et la disparition de ce waouh, c'est ça qui nous indique ce nom est majzoum. Hatful al-haraka. Donc, on voit que les marques de déclinaison, elles sont pas toujours, c'est pas toujours les trois voyelles, fatha, dhamma, fatha, kasra, a ou i. Ça peut être d'autres choses. Par exemple, là, c'est la suppression d'une lettre.
et dit hatfu al-haraka, la suppression de la voyelle. Lam yaqum. Voilà, alors donc là, on a vu quatre états d'Irab, avec des exemples pour ces quatre états, et on a vu que certains états de déclinaison des états d'Irab, certains des états étaient partagés par le nom et le verbe, certains étaient spécifiques au nom, et certains étaient spécifiques au verbe. Les quatre états d'Irab, c'est Raf, Nasb, Jar, tout ça, ça concerne le nom, et Jazm, qui est spécifique au verbe. Alors ensuite il dit wal aslu fi hadhihi al anwa' al arba' an yadulla ala raf'iha bil dhamma wa ala nasbiha fil fatha wa ala jarriha bil kasra wa ala jazmiha bis sukun wa huwa hadf al haraka wa qad bayyantu dhalika kulluhu fil amthilati al mazkura. Alors il dit ça, je l'ai tout montré dans les exemples. Alors dans des livres un petit peu plus dans les premiers livres en gros, qu'on étudie de grammaire, tout ça c'est un petit peu plus détaillé. Et ça, comme c'est un livre un petit peu avancé, il rentre pas trop dans le détail, mais on va quand même un peu expliquer. Il dit wal aslu fi hadhihi al anwa' al arba'a an yadulla ala raf'iha bid dhamma. Donc il dit sur le principe, par défaut, la marque de reconnaissance du raf, c'est la dhamma. Donc par défaut. Ça peut être autre chose, mais s'il ne se passe rien, par défaut, sur le principe, on reconnaît l'état marfou', rafa'a, marfou', quand on fait l'action avec la Dhamma. Donc la Dhamma, très généralement, ou sur le principe, elle nous indique que le mot va faire l'action. Le mot, sa fonction dans la phrase, ça sera de faire l'action. Wa ala nasbiha bil fatha. Et pareil, sur le principe, la fatha, c'est celle qui indique la marque de reconnaissance du nasb, de l'état grammatique et de l'état de déclinaison nasb. Et il dit la kasra, c'est celle qui indique le jar. Il y a plusieurs exceptions à ça, mais ça, c'est le principe. C'est-à-dire qu'on reconnaît le raf avec la dhamma, on reconnaît le nasb avec la fatha, on reconnaît le jar avec la kasra. Wa ala jazmiha bil sukun. Et on reconnaît le jazm avec le sukun, comme ici. Ici, on a vu le sukun. Sur le principe, le sukun nous indique que il faut la suppression de la lettre, mais le sukun nous indique le jazm. Wa huwa hadful haraka. Wa qad bayyantu dhalika kullu fi al-amthilati al-madhkura. Donc il dit, j'ai tout expliqué dans les exemples précédents. Alors, il donne un exemple du Coran. Alors, l'exemple du Coran qu'il utilise, c'est ce verset. Wa laula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadat al-ard. Wa laula daf'u Allahi an-nasa ba'dahum bi ba'din la fasadat al-ard. Alors, on voit qu'il y a plusieurs mots. Laula. Alors, on va s'intéresser au waou. On va demander à Ibn Hisham de nous expliquer qu'est-ce que c'est que le waou. On va lui demander de nous donner la fonction de laula dans cette phrase. Daf'u. Là, on va bien savoir si c'est un nom ou un verbe ou un harf. Allahi, on sait que c'est un nom, c'est le nom de Dieu. An-nas, pareil qu'elle a la fonction grammaticale de ce nas, mais on voit par exemple déjà qu'on a une fatha ici. Alors, peut-être qu'on peut se dire que ici le mot il a des chances qu'il soit mansoub. Ba'dahum, c'est pareil, il y a une fatha ici, avec hum ici, un sukun. Bi-ba'din, la fasadati l'ard. Pareil, la façadati, est-ce que c'est un verbe ou un nom? Al-ard, pareil, il y a ici un dhamma, est-ce que ça voudrait dire qu'on est dans l'état de marfou'? Ici, il y a une kasra, est-ce qu'on est dans l'état de jar, par exemple? Ibn Hisham va nous expliquer tout ça dans l'analyse grammaticale de ce verset du Coran. Alors, il dit, i'rabu dhalika, donc l'analyse grammaticale, ou l'état de déclinaison de ce verset. Laula harfun yadullu ala imtina'i shay li wujudi ghayrihi. Alors, il n'a pas décrit le waou, mais le waou, il avait décrit dans d'autres explications. On appelle ça waou al-atf, le waou attractif. Alors, il dit ensuite laula harfun yadullu ala imtina'i shay li wujudi ghayrihi. Alors, laula, il dit c'est un harf, donc c'est pas un ism, c'est pas un fi'l.
Et d'un point de vue sens, il sert à indiquer l'annulation d'une chose à cause de la présence d'une autre chose. Donc, il dit là où la Zaydoun la akramtouk. En gros, s'il n'y avait pas Zayd, j'aurais été généreux avec toi. S'il n'y avait pas, donc c'est annulation d'une chose à cause de la présence d'une autre chose. S'il n'y avait pas Zayd, j'aurais été généreux avec toi. Turidu bidhalika anna al-ikram imtana'a li wujudi Zayd. Tu veux avec ça que l'ikram, la générosité, elle s'est annulée avec la présence de Zayd. Donc ça, c'est le sens d'utilisation de laoula dans la langue arabe. Wa daf'u. Daf'u, mubtada. Il dit d'un point de vue grammatical, quelle est la fonction de ce mot daf'u? Mubtada. Marfu'un bid-dhamma. Là, on a tout. Daf'u, mubtada. Sa fonction dans la phrase, c'est mubtada. Mubtada, il est toujours marfu'. Donc, c'est en état d'i'rab, c'est marfu', parce que c'est un mubtada. Et, alamatu raf'ihi, comment est-ce qu'on reconnaît qu'il est marfu'? La dhamma. Bid-dhamma. Mubtada. Donc, marfu'. Ou marfu', pour quelle raison? Car il est mubtada. Et quelle est la marque de reconnaissance de Raf? La Dhamma. Bid-Dhamma. Wa ismu Allah mudafun ilayh. Et le nom Allah, juste ce mot, il est mudafun ilayh. Al-Idafa, c'est l'attraction. C'est par exemple si je dis le livre du monsieur. Kitabu al-Rajuli. À chaque fois que j'ai cette relation d'appartenance, le livre du monsieur, Kitab ou Rajuli, en arabe on appelle ça, ou dans la grammaire on appelle ça l'idafa, on dit qu'il est mudaf, ou bien mudafun ilayh. La chose, le livre du monsieur, le monsieur on appelle ça mudafun ilayh. À qui il appartient au mudafun ilayh. Donc là c'est pareil, dit, daf'u Allah, ça veut dire, daf'u Allah en gros c'est l'intervention de Dieu, ou la défense de Dieu auprès des gens. En gros si Dieu n'intervenait pas pour défendre les gens entre eux, alors la terre deviendrait invivable. La façadette, elle deviendrait invivable. Alors, daf'u mubtada marfu' bid dhamma wa ismu Allah mudafun ilayh. Mubtada marfu' mudafun ilayh. Wa lafdhuhu majrurun bil kasra. Il dit son mot Majrur bil kasra. Ibn Hisham, il est très respectueux parce que justement, il dit le vocable. Il dit parce que là, c'est quand même Allah, c'est le nom de Dieu, donc on va pas dire Dieu. Et Majrur, Ibn Hisham est très respectueux, il dit lafdhu, son vocable, c'est-à-dire le mot qui est utilisé. Il est majrurun bil kasra. On le reconnaît ici, là, la kasra. C'est une kasra de jar. Le jar, on a dit, c'est le troisième état d'i'rab qu'on a vu. Des Zaydin, par exemple, quand on disait bi Zaydin. Troisième état d'i'rab, al-jar. Et là, on reconnaît le jar avec la kasra qui est ici. On reconnaît l'état de jar. On a dit que jar c'était tiré. On reconnaît cet état de déclinaison avec cette voyelle qui est la kasra ici. Wa mahalluhu marfu'un li'annahu fa'ilu dafa. Bon, ça c'est un peu particulier. Je crois qu'il y a un chapitre qui est consacré à ça. Quand le nom agit comme un verbe. Afwan, c'est pas le sujet, il est marfou' li annahu fa'ilun fa'ilu daf'. Oui, c'est ça, là c'est un daf'u, c'est un nom. Et donc il y a un chapitre qui est consacré à ça, c'est peut-être pas utile de rajouter cette notion. Wannas. Alors il dit nas maf'oul, mansoubun bil fatha. Ça, on aurait pu le détecter tout seul parce qu'on a vu la fatha qui est ici. Donc, on aurait pu se douter qu'il était mansoub. Et il dit maf'oul, mansoub, donc son état d'arabe c'est mansoub, bil fatha, avec la marque de fatha ici. Wan nasibu, donc qu'est-ce qui le rend mansoub? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas marfou? Il dit qu'est-ce qui le rend mansoub? Wan nasibu lahu, ad-daf'u. Il dit c'est ce daf. Donc daf, c'est un nom, mais il agit un peu comme un verbe. Donc nas, il subit l'action. C'est la défense
Qu'est-ce qui subit cette défense? C'est les gens. Annas. Donc Annas, il subit l'action. Donc il a une fatha. Donc il est mansoub. Et comment est-ce qu'on reconnaît qu'il est mansoub? Avec la fatha. Donc là, ça nous donne déjà une. J'ouvre cette parenthèse parce que la difficulté, très souvent, en fait, un des premiers challenges qu'on a dans la langue arabe, c'est d'arriver à lire sans les voyelles parce que les Arabes ne mettent pas les voyelles dans les textes. Et en fait, dans l'ordre, ce qu'on fait, c'est qu'on apprend à positionner les voyelles. Et ensuite, on va arriver à lire le texte sans les voyelles parce qu'on sait où est-ce qu'elles sont. On sait comment est-ce qu'elles sont. Et donc là, avec notre règle, on aurait pu enlever cette fatha. Et on aurait pu déduire cette fatha parce qu'on aurait fait le raisonnement d'Ibn Hisham à base de Daf'u, c'est lui. Qui est-ce? Daf'u, Allah, Allah, le nom ici, il fait l'action. Et Nas, les gens subissent l'action, c'est eux qui sont défendus. Donc là, ça va se terminer avec une fatha. Donc même si on enlevait le fatha ici, normalement, avec ce qu'on sait jusque-là, on aurait pu la rajouter comme ça. En lisant comme ça, sans la fatha, on aurait pu la lire correctement la lettre, sans la fatha. Je referme cette parenthèse. والناصب له الدفع لأنه مصدر حال محل أن محل أن والفعل وكل مصدر كان كذلك فإنه يعمل عمل الفعل. Il dit, bon, daf, il dit c'est un masdar. Si on résume, c'est qu'il fait l'action d'un verbe. Et pourquoi est-ce que ce masdar, en l'occurrence, ce nom originel, il fait, on verra le masdar, pareil, c'est une des notions qu'il faudra qu'on étudie, qu'on verra plus loin dans le livre. Mais pourquoi ce masdar, il fait cette action, il dit parce qu'il est hal. Bon. فإنه يعمل عمل الفعل أي ولولا أن دفع الله الناس donc là voilà il a un petit peu il est un petit peu revenu à une structure grammaticale plus courante et il a juste transformé le dafa qui était un nom il l'a transformé en verbe. De toute façon, ce qu'on voit bien le maf'oul bihi ici. Walaoula an dafa'allahu an-nas. Il a indiqué ici parce que le an avec le verbe, c'est l'équivalent du masdar. On pourrait faire ça plus ça, le an plus un fi'l madhi, c'est égal à daf'u qui est le masdar. Bon, l'explication, je pense qu'elle est suffisante, le fait que de dire que simplement an-nas, il est mansoub. Et la marque de reconnaissance de son œuvre, c'est la fatha. Et la raison pour laquelle il est mansoub, c'est parce que il est maf'oul. Et il est maf'oul bihi. Wa ba'dahum. Alors là, on en est à la wa ba'dahum. Badalu ba'din min kull. Alors pareil, al-badal, c'est une des notions qu'on verra. Al-badal, c'est une des causes qui fait qu'un nom il est mansoub. Et il dit badalu ba'd min kull. Après le badal, il se décompose en plusieurs. Il y a différents. Badal, c'est remplacement. Alors il y a des remplacements d'une partie par la totalité, ou bien d'une partie par une partie, ou bien de la totalité de la totalité par une partie. Donc là, c'est le badal, type de badal, c'est ba'd min kull, c'est-à-dire une partie de la totalité. Wahwa mansoubun bil fatha, ce qui est important, c'est que le badal, il crée l'état de nasb. À chaque fois qu'on a un badal, ça rend mansoub. Wahwa mansoubun, et la marque de reconnaissance de nasb, c'est la fatha. Alors ensuite, il dit, wa khabarul mubtada mahdoufun wujuban. Parce qu'on a vu que daf, c'était un mubtada, il a dû le dire quelque part. Naam. Daf mubtada. On a vu que daf était mubtada. Donc là, il y a quelqu'un qui pourrait se poser la question, mais il est où le khabar? Parce que c'est une jumla ismiya. La jumla ismiya, la phrase verbale est toujours, la phrase nominale est toujours constituée d'un mubtada et d'un khabar. Donc là, on pourrait se poser la question, mais il est où le khabar? Parce que là, il y a le mubtada. Et là, Ibn Hisham, il dit, wa khabarul mubtada mahdouf wujuban. Et son khabar, il est caché obligatoirement. Il dit,
Wakada, et c'est ainsi, kullu mubtada'in. Il va donner une règle. Wakada, kullu mubtada'in. Waqa'a ba'da laula. Alors, tous les mubtada, il dit, tous les mubtada qui arrivent après laula, leur khabar est caché. C'est une règle, on peut la graver sur le marbre. C'est Ibn Hisham qui nous la donne. Et il dit, wat-taqdir, il dit la supposition en fait avec ce khabar qui est caché. Alors si on le faisait apparaître, qu'est-ce que ça donnerait? Il dit, walaula daf'ullahi nasa mawjoudun. Il dit, s'il n'y avait pas la défense d'Allah des gens présentes. Voilà. Donc là, mawjoud, c'est le mot qui serait supposé, ce qui serait le khabar. En l'occurrence, il a dit qu'il était caché dans toutes les paroles des Arabes. À chaque fois, les Arabes ils vont mettre laula avec un mubtada, ils vont cacher le khabar. Et le khabar, c'est l'équivalent d'un mot qui aurait la signification de mawjoud. Wal-ma'na, alors la signification, il dit laula an yadfa Allah ba'd an-nas ba'din la ghalaba al-mufsidun wa batalat masalih al-ard. Il dit quelle est la signification de ça? Il dit si Allah, donc Dieu, n'intervenait pas, alors les mufsidun, c'est-à-dire ceux qui font du mal, ils auraient vaincu et tous les bienfaits de la terre se seraient annulés. Wa batalat masalih al-ard. Masalih al-ard, l'ard c'est la terre. Donc tous les bienfaits ont été annulés. Wa qala Abu al-Ala al-Mu'arri fi sifati as-sayf. Donc Abu al-Ala al-Mu'arri, je suppose que c'est un poète arabe, je ne connais pas particulièrement. Il dit dans la description de l'épée, min al-wafir. Al-wafir, pareil, c'est un nouveau une nouvelle mesure de poésie. Il dit يذيب الرعب منه كل غضب فلولا الغمد يمسكه لسالا. Donc là, il décrit l'épée. Il décrit les qualités de l'épée, les qualités de son épée ou les qualités d'une épée. Et il dit فآثر ذكر الخبر. Alors là, alors là, il a décrit le khabar. Alors, je ne sais pas quel est l'objectif de Ibn Hisham en disant ce vers de poésie. A priori, là, le khabar a été décrit parce qu'il dit falaoula, on a eu du laoula. Donc, rimdou, c'est le mubtada, marfou, avec cette dhamma. Et ça, c'est le khabar, yumsikuhu. Il dit, fa'athara dhikra al khabari wa huwa yumsikuhu. Donc voilà, on a eu le. Ibn Hisham, il nous a donné donc les catégories d'Arabe, les catégories de déclinaison. Et il nous a expliqué ce verset du Coran, il a donné l'analyse syntaxique, l'analyse grammaticale de ce verset du Coran. Voilà, la suite dans une prochaine vidéo. Assalamu alaikum.